Aujourd'hui, on reprend donc la suite de Borderlands que j'étais censé faire vendredi et que, comme vous avez pu voir, n'a pas pu être faite. Donc, on va s'y mettre aujourd'hui pendant une heure ou deux sur le temps disponible. C'est parti. Alors, où en étions-nous? J'étais censé faire vendredi et que, comme vous avez pu voir, n'a pas. Rappelons-nous. Ouais, mais il reste que la quête principale. Allez, bah c'est parti. Munitions, besoin. L'argent, ouais, on peut se permettre. Allez. Tu ne sais plus quoi faire de ton argent? Tac. Parfait! Voilà. Il n'en reste plus. Pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de talons du cul? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Ma maman va être dans une de ses rages. Ouais, mais toi t'es mieux. Raté. Raté. Oh, grenade! Oh la vache, il l'a bien lancé celle-là. Jusqu'au vaisseau. On va tout récupérer. Ça peut toujours servir, surtout en début de partie. Hop. Ah non. Trompé. Voilà. Je pensais utiliser ma compétence, j'ai oublié que je l'avais. Oh purée, encore trompé, décidément aujourd'hui. Voilà, c'est mieux. Bon, on sera toujours mort avant de ça. Même si on va pas l'utiliser. Voilà. Ouvre.
Il y a du monde. Ah non. Si. Alors retenez bien ce nom, étalon du cul. Parce que dès qu'on aura fini le jeu et qu'on va s'attaquer au DLC, il va revenir. Sur un DLC très très loufé. Alors déjà que le jeu du fuck. Alors imaginez un DLC loufoque dans un jeu qui est déjà loufoque. Oh 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 oh. Il les balance deux par deux les grenades. Grenade? Si. Attention, de petits intérieurs. Dépendre du niveau du joueur. Ah, peut-être la garder alors. Je sais pas où est-ce que je l'ai vu ce mode de grenade. Un peu surpuissant, je trouve. Saloperie de porte verrouillée. Ah, je sais, sbire. Mets-toi au canon. Fais-moi quitter cette porte. Mais attends que je sois en sécurité, c'est compris? Si tu détruis cette porte tout de suite, je vais être... Stylé. Tiens, ouais. Ça, c'est le meilleur moyen. Wouhou. Joli vol. Wow. Wow, ça va là.
Bon, comptez pas sur moi pour aller chercher l'argent là-bas par contre. J'aime pas trop l'eau. Zéro. Ah, claptrap un nouveau sbire. J'avoue que l'autre petite âne merde me manque. Les bruits qu'il a fait quand on lui a foutu le feu. J'en pleurerai. Wow! T'es touché. Elle est pas passée loin celle-là. Maintenant c'est le moment le plus chaud, parce que là on va en avoir des mecs qui sortent de partout ici. Le camp du capitaine Flint. Ou Flynn, je sais plus si y a un tas à la fin. Wow, wow. Flint, il y avait un T. Non, je l'ai raté. Ils sont méchants, ils donc. Eh ben, plus maintenant. Et c'est le
jour de me condamner des neiges. Wow, 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 vite de l'autre. Oh oh, j'ai pas choisi le bon à attaquer. Adversaire de pacotille. Voilà. Pour ceux qui comprendraient pas pourquoi j'attends, c'est qu'en fait, sur les 5 secondes qu'on passe dans le modeleur, plus j'attends et plus le coup que je vais mettre sera puissant. Donc si j'attends vraiment le dernier moment, ça met un coup vraiment très puissant. Ce qui me permet entre autres de pouvoir le tuer beaucoup plus facilement. On va prendre. Ça augmente tout doucement. Position pour vous deux. Toi et Clappy, vous devenez nos victimes de torture à vie, et on vous tue pas. Réfléchissez. Prenez votre temps. Ça tire d'où ? Wow, wow. Grenade. Wow, elle me revient dessus la grenade.
Allez, en avant. Je peux pas monter les escaliers. Trouvons un autre chemin. Oh, une grue. Trouve les commandes. Ouais, comme d'hab, à moi de faire le boulot. Et toi, tu m'applaudis, c'est ça? Tiens. Ça brûle. Je suis pas en train de me faire exploser, là, par le côté. Et voilà. Double headshot. Mince, j'ai perdu une arme, j'ai pas le temps de voir si elle était bonne ou pas. Ouais, non. Elle est pas géniale. Ah, je l'aime pas cet endroit. Y'a d'accord un directeur. Passe, planté. Pas content. Je suis en plein dans la gueule du loup. Ouf. Et non, tu redescends pas, dommage, j'aurais essayé. Allez, Captain Flint. Faut y aller. Montre-toi, Flint. Ton unité Claptrap est revenue. Flint, le roi du feu. C'est
nos petits bonhommes à torture, les gars! Ça va chauffer! C'est parti. Je suis trop loin, je fais pas de dégâts. Oh oh, ça va cramer. Allez, t'as droit le feu. Wow, 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 wow. Il est méchant. On va profiter, on va mettre la compétence. Tiens, ça augmente la santé avec. Hop, ça ira très bien. On va attaquer. Ouh. Oh, il aime pas quand même les coups de couteau que j'y mets. Hein. Il fait pas du bien. April. Je l'ai eu, je crois. Ah, j'ai pas assez de dégâts. Je ne fais pas assez de dégâts. Aïe, pas vu ça. Oh, il est pas con lui. Oh, il est où, Claptrap ? Elle se bouge ? Allez, on n'a plus qu'à rejoindre mon vaisseau. Jour de paye. Pistolet. Il n'y a plus rien. Là, bon, les petits.
Baissons les voiles. C'est parti. Excellent. Nous approchons de Sanctuary, Spire. Par devant, va dire aux habitants ce que je veux pour fêter mon retour. Je reste ici pour qu'ils aient le temps de tout préparer. Premièrement, des gonzesses. Deuxièmement, des mecs. Mais des mecs super moches, obèses et tout, qui puent sous les aisselles, avec des cicatrices d'acné. Les gonzesses les voient arriver, et paf! Tout d'un coup, elles me trouvent irrésistible. C'est plus « Burk, tire-toi, sale petit robot pervers !» Tu me dégoûtes. Mais pourquoi tu pleures? Ça pleure pas, un robot. Écoute, je te fais un petit câlin, et tu pleures plus, d'accord? Mais arrête! Sors pas ton lecteur de disque! Oh la vache! C'est quoi ça? Restez dans votre trou, c'est la part de sans pitié. Je te vois. C'est génial. Vous voulez pas retourner dans votre camp, les gars? Ah, bonne idée. On fait demi-tour et on rentre dans notre... Pandore est un endroit violent et sans pitié. Sanctuary, c'est... Non, Pandore, c'est... C'est le paradis. Il faut une voiture pour parvenir aux portes de la ville. Va à l'autoloc. Ça pue le guet-apens. Wow. Oh. Boum. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? L'apparence est déjà débloquée. Ah, je peux pas la utiliser du coup. Cette machine peut te matérialiser un véhicule. Essaye pour voir. Oula! Utilisateur non autorisé dans la place! Tu cherches à pirater mon autoloc? Y'a pas moyen, cousin! Merde! Oh, pardon. Mince. C'est un certain scooter qui contrôle les bornes autoloc. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicule. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Il y a un robot d'Hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autoloc, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Alors au boulot. Il a lancé. Ah, ils sont puissants. Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent. Au travail. Oh. C'est le début de la fin de mon estomac vide. Ah.
Ouais, dans le bas ils sont plus. On aura un peu de mal à vivre là. Peut-être falloir réussir à trouver une autre arme parce que celle-là elle commence. Oula, toi tu commences le truc quand même. Là elle commence à plus avoir trop d'efficacité. Voilà. Heureusement j'ai mon cerveau qui ne me trahit jamais. L'adaptateur sur l'autoloc et je t'offre une voiture gratuite. Nickel, on a tout. De phase en cours. Désactivation du verrouillage en cours. Alors. Donne-moi une minute, je vais pirater l'autolock. Autorisation de l'utilisateur confirmée. Bonne route. Il y a un taco au piment dans le vide-poche. Un piment taco. Ok. Demande une autre voiture. Alors. Je vais remettre les canons. Ouais, on va mettre ça. Et voilà. La voiture. Ah.
voilà. Ça y est. Sur 3. Ça calme. Écoutez-moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Oh, minute, un chasseur de l'arche. Roland veut vous parler. Attendez, je lui passe un écho. Alors c'est toi dont tout le monde parle sur les ondes. Moi c'est Roland. Avant j'étais un chasseur de l'arche comme toi. Et puis j'ai formé les pillards écarlates. On se verra à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. On m'a dit que le caporal Reyes n'était pas revenu avec le cœur énergétique. On en a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ramène Reyes à Sanctuary et tu auras gagné ta place chez les pillards. C'est reparti. Roland t'a contacté? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous aider à faire tomber Jack. Roland, c'est donc un personnage qu'on utilise dans le premier Borderlands, qui est l'équivalent du soldat. À chaque secousse, mes foreuses se rapprochent de l'arche, de la liberté, de l'ordre, de la sécurité pour tous, sauf pour les pignons de Sanctuary, bien sûr. Salut Kingdom Family, mais écoute pourquoi pas, hein, vas-y. Plus on est de fou, plus on rit. Alors par contre, pour qu'on puisse se rejoindre, je crois qu'il faut qu'on se rajoute en ami sur Steam. Alors attends, non c'est pas ça. Que je me rappelle, ça fait un petit moment. Alors, en ligne, sur invitation uniquement, en ligne, public. Sur invitation, non, peut-être en mettre pub. Je vais mettre ami uniquement. Kingdom Family, tu me donnes-moi ton profil sur Steam. Comme ça, je vais te rajouter, tu pourras me rejoindre.
Ah, tu as bugué. Écoute, essaye de m'envoyer quand même ton profil Steam, ton nom, ton pseudo, et je vais te rajouter en ami et puis on essaiera. Mais il est barjo! L'autre il prend l'iceberg complet quoi! Aïe! Oh, il a pas aimé le 4 piquant! Alors, ah ouais, seulement 30 secondes, je suis un peu attaqué! Ah purée, il est méchant celui-là. Voilà. Bon, je vais regarder ça. Alors. Steam, il est où? On va afficher ça. Où est-ce qu'on recherche, que je me rappelle? Voilà, chercher des joueurs au groupe. Alors, 36. Aucun résultat, donc c'est pas ça. Pas de résultat pour le nom que tu m'as donné, Kingdom, donc c'est pas celui-là. Ah, je les aime pas ceux-là. Je les aime pas. Ouais, je vais finir ça. Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent. Au travail. Finir ça. Tu vas faire du bon cuir. Ah, je morfle. Ah merde. Je vais le rater. Je l'ai eu. Voilà. Alors. Le mien que je me rappelle, c'est lequel? Je te l'envoie sur le chat, Kingdom. Normalement, c'est celui-là. Tu devrais reconnaître au moins la photo. Alors, par contre, est-ce que tu as un micro Kingdom? Parce que dans ce cas, on va en profiter, on lancera le chat sur Steam. Ce sera plus simple pour jouer ensemble.
santé. Il trouve pas. Essaye. On va mettre le nom exact. Hop, j'enregistrerai dans le pseudo comme ça. Essaye celui-là. Le problème, c'est que si je mets en public, je sais pas si tu vas rejoindre comme ça, quoi. Alors. Le jeu, il aurait quand même pas planté. Oh, le jeu a planté. Il a planté. Bon. On coupe, on relance. Allez, allez, allez. Ah voilà. Je crois que tu m'as trouvé. Ouais, j'ai vu ça, je vais te rajouter. Alors. Ça, tac tac. Bon, du coup c'est moi qu'il faut qu'il t'invite, sinon on sera pas dans la bonne partie. Où est-ce que t'es? Voilà, invité à rejoindre. Là tu peux me rejoindre comme ça, Kingdom. Ouais, c'est bon. Salut, ouais, c'est bon, je t'entends. Attends, moi je t'entends mal. Tu m'entends mal? Attends, je vais vérifier qu'il soit pas planté de micro. Si. Donc là c'est bon. Attends, je vais couper deux secondes le chat puisque je pense qu'il m'a pas détecté le bon micro, il me le change pas pour l'instant. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il a détecté le bon. Ouais, ouais, c'est bon. Parce que, ah, ok, d'accord. Parfois il détecte soit sur la. Oui. Parfois il détecte sur la webcam, et parfois il détecte le casque, donc. C'est un peu au bon vouloir. Ah, c'est bon, ça a trouvé. Voilà, nickel. Ok, bon, mais je rappelle. Alors, du coup, on va recharger un véhicule. Dans une, je fais mes courses. Hein. Vas-y. Profite-en. Tu l'as déjà terminé ou joue un peu sur Borderlands ou c'est vraiment le début pour toi? Non, j'ai déjà terminé. T'as déjà terminé? Ouais. Alors, et toi? Oui, oui, je suis au mode chasseur ultime 2 avec le soldat, avec le. L'équivalent de Roland en fait. Ah, ok. Ah, il veut qu'on recommence. Ah, il veut qu'on recommence le. La quête. Non. Tiens, attends, j'ai peut-être. Protège. Voilà. On en a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ramène Reis à Sanctuary et tu auras gagné ta place chez les pillards. Regarde, j'ai rien pour toi, désolé. Moi je pensais que j'avais des armes, mais non. C'est pas de fin, pas de levée.
Allez, hop là. Pas écouté. Bon, c'est bien, ça va faire vivre le stream, parce que je t'avoue, quand t'es tout seul, devoir discuter sur un stream quand t'es tout seul, c'est un peu lassant au bout d'un moment. Le cœur. J'ai fait le cœur énergétique au sans pitié. Faites sauter le pont. Je suis touché. Je vais les semer dans les marofils. Wow. Joli. Il reste plus rien du gargo. Je sais pas, j'ai vu, il s'est un peu désintégré le truc. Ah, il a explosé complet là. Il n'y en a pas. Ah oui, je me disais, j'ai l'impression qu'il y en a derrière moi. Tes armes, elles font combien de dégâts? Le sniper 87, le fusil d'assaut 35. Le fusil d'assaut, j'essaie de trouver quelque chose pour le remplacer parce qu'il commence à avoir du mal. Moi, mon snipe il fait 175, mon flingue 82 et ma mitraillette 67. Et c'est tous des balles. Acide. Pas acide. Mince. Flammé. Voilà. Un chasseur de l'arche. Je ne pensais pas mériter une telle escorte. Il y a un de ces tarés qui s'est enfui avec le cœur énergétique. Sans lui. Sans lui. Aïe. Voilà. Encore un. Monsieur, je suis barré. C'était l'un des premiers de la lance que j'ai recruté chez les pillards. Ah non, il est revenu. Ramenez donc ce cœur. Et tant que vous y êtes, il y en a plein. Sacré quelques bandits pour Ace. Donc, plusieurs potes. Moi, bon, attends. Oui. Ton système éco est incapable de localiser précisément ta destination. Dans ce cas, fouille la zone située dans l'énorme cercle vert. Par contre, le mode de grenade que j'ai, je sais pas où est-ce que je l'ai trouvé, mais il est surpuissant. Je l'avais, je l'avais un moment au début, ouais, au début où t'as le système écho, là où tu commences à placer ton bouclier et tout. Ouais, j'ai un vieux mode de grenade, je crois. Ouais. Mais bon, ouais, attends, c'est une sorte de feu d'artifice, je sais pas, je l'ai peut-être eu avec une des clés d'or. Enfin, les cold shift, toi, les trucs comme ça. Peut-être. Ouais. Parce que, attends. Moi j'ai que des armes avec des clés d'or, mais. Ouais. Ouais. Tu vois, hop, il va dessus et boum, un peu d'artifice. Et c'est rare que ça résiste. Le monde se dévoile et les faiblesses s'intéressent au travail. Wow, wow, wow. Ah, j'aime pas ces brutes. Autant les brutales en règle générale, ça me dérange pas trop. Mais alors ceux-là, là, avec leur espèce de grosse hache, ouais. Je les aime pas du tout. Oh! Ok. Celui-là, il a fait mal. Je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire, mais.
Ah non, moi il m'a pas fait mal du tout, mais. Ah bah il m'a explosé juste à côté. J'ai trouvé une barre d'héritage. Merde. Oh, une petite lumière. Ah bah voilà, ouais, c'est comme ça. Ah, un nomade. Je l'ai one shot. Non, en fait, je vois le shot avec le snipe, donc c'est pas mal. Ouais, lui nous a tué. Ah, oui, il faut tuer les sans pitié, moi, comme ça. Wow. What? Ah, d'accord. Sors lui. Il va falloir des balles. Oh, c'est mal. J'ai un vieux bouclier, ça m'énerve. Il me donne 430 et des balles. Boum. T'as plus beaucoup de vie. Bah ouais, je vais lui retrouver un truc. Ah là, il y a des armes. J'ai vu. Y a des munitions si tu veux aussi. Ouf. Ah, des balles, ouais, je veux bien. Je cherche à se prendre des munitions, j'en garde, mais les armes ont pas l'air intéressantes. Attends, merde. Parce qu'en fait, je crois que j'ai pris les armes. Il y avait un. Si tu veux. Après, les non, pompes, en fait, je joue, balle... je joue pas trop avec les pompes. Je suis pas trop fan. C'est pas des pompes, c'est des flingues. Tiens. Des flingues ? Je te les donne. Parce qu'il propose pas mal de fusils à pompe depuis le début, mais je suis pas trop fan des fusils à pompe. Tiens. Ouais, non, si je regarde les caractéristiques, il n'y en a aucune qui est meilleure que le. Ouais, non, j'ai. Pour là, pour l'instant, c'est encore le fusil qui est meilleur, si on prend. Moi, j'aime bien ma mitraillette. Ouais, on récupère le dernier cœur. Oh, attends, y'en a un, je crois, non? J'ai rêvé. Voilà. C'est le cœur énergétique. Génial. Au moins, Jack ne détruira pas son tuerie aujourd'hui. Reviens à la ville. On se retrouvera quand je serai là-bas. Bienvenue chez les pillards et quand on en ville. Je me fais attaquer. On se retrouve. J'ai plus de fric. Comment ? Moi 7000. J'ai plus de fric. Bon, ça va vite revenir, je pense. Moi est-ce que 7. Tiens, attends. Hop. Ouais, ça va, juste. Fric, ça se fait vite. Voilà, je récupère, il y avait de la vie. Il me reste 7000. J'adore ça, les. Aïe, qu'est-ce que pété? Faites-vous une raison, nous allons entrer dans une ère régie par l'ordre. Rendez-vous et je vous promets une mort. Bon. J'ai menti sur la fin.
fin, au fait. Je vais prendre tout mon temps pour vous torturer, racaille de bandit. Je vais prendre mon pied aussi. D'autant plus que... je vais m'arrêter là. J'ai un petit secret qui... Tu sais quoi? Ouais. Oublie ce que je te dis. Oh, non, c'est toi. Oh, c'est le chasseur de l'ange. Montez, fils, ça. Le système est contrôlant, on ne répond plus. On a besoin de votre aide. Attends, par contre, je prends une voiture. Bah, ce soir-là, on va rentrer dans le sanctuaire. Merde. Ah ouais, bien. Mais ouais, mais attends. Joli. Je suis un backflip. Hein. Allez. Alors comme ça, tu les as bandits vils, hein. C'est super. Ça sera un plaisir de te voir brûler lorsque je viendrai nettoyer ce trou à rats. Ah, et j'ai décidé de te dire mon secret. Le commandant Roland nous a parlé de vous. C'est vous qui avez survécu à Jack. On a sérieusement... Oh non, j'aime pas la mission d'après, putain. C'est laquelle qui va suivre? C'est avec le... C'est pas le truc avec Faucon Ardent? Oui, si, c'est ça. Ouais. Voilà. J'aime pas cette quête. Il y a des brutes, il y a des brutales partout. Comment? Des brutales et des, il y a des brutales partout après. Des brutales et comment ils s'appellent les autres? Putain, les. Je sais plus comment ils s'appellent. C'est les trucs là, ils se transforment. Si tu les Goliaths. Trop. Ouais, voilà. Les Goliaths, ouais, qui se transforment en. Oh, super Goliath et tout, là, je sais plus le nom qu'il donne. Ouais. 4. Allez, bah sinon on peut faire déjà les quêtes à pour commencer. Non, ça va, ça va. On verra ce que je fais d'abord les quêtes annexes pour faire un maximum d'expérience, après je repars sur la quête principale. T'as pris quoi là comme mitraille? T'as toujours la même? Je suis toujours la même, ouais. Sur les deux autres, pareil. Il y en a aucune qui était meilleure. Mais là, je pense que je vais pouvoir faire les courses là chez. Comment il s'appelle là, le... Ah merde. Je voulais faire un truc stylé, mais. Ouais, il reste en lévitation quand même. Merde. Ouais, même si tu. Même je crois que si tu sautais que. Je cherche des balles. Moi, j'arrive. Ouais, bah fais tes courses en attendant. J'ai récupéré tout ce qu'il y a récupéré dans la ville. Je sais plus ça si par contre. Unico perso. Non. Hop, c'est bon. Je vais récupérer les symboles de l'arche. Ah, scooter. Oh, crotte. T'es chez Hyperion? Il paraît que vous êtes tous des robots et que vous bouffez la ferraille dans les poubelles. Je savais que votre bande de machines à tuer viendrait me chercher après le départ de Roland. Si tu veux me faire la peau, faut que je te dise... Tu mourras jamais vivant, saloperie de robot. Il me fait trop rire, scooter. Alors, ça c'est bon. Des pillards écarlates en ont causé devant moi. Oh, je disparaissais, je devais déclencher le plan B. Tu veux chercher une arme, mon pire? Transformer la ville en une comment putain de forteresse volante qui balance des grosses. Tu veux que je te passe une arme, mon pire? Je crois que j'en ai. Mais là, je pars Marcus. Hein. Je vais faire sa mission, Marcus. Ah oui, ma soeur. Vous pourriez me faire un avoir? Je vais voir. Cette arme ne marche pas. Je vais voir Marcus. Je vais faire sa mission là avec les armes et je crois qu'il donne des bonnes armes. Ah ouais, ça, ouais, il donne des armes. Je crois que la première arme qu'il donne, c'est une arme acide. T'en auras besoin. Ah, et tiens, de l'iridium aussi. Attends, je vais regarder, peut-être qu'il y a. Non, là, je crois que tu l'as pas débloqué par contre. Ah ouais, t'as pas débloqué, je peux pas aller voir ma banque. Bon, bah. De quoi? Coffre-forge. Je peux pas aller voir le coffre-forge, j'ai pas débloqué encore. Ah, pour Roland. Ouais. Tu veux m'aider à les tester? On se voit sur le stand de tir. Allez, commençons go. Par l'arme incendiaire, d'accord? Les armes incendiaires font des ravages sur la chair. Mais contre un bouclier, c'est même pas la peine. Allez en enfer, bandit! Alors,
incendiaire. Le feu et la chair. Combinaison épineuse. En plus, c'est de l'XP rapide. Ce fasciste d'Hyperion. Prends ça, chouchou de Jack. Quelques voilà. Gros buts avec une ensuite, acide. Les cibles blindées comme ces satanés robots d'Hyperion peuvent encaisser beaucoup. Le slag. Maintenant qu'il est slagué, ça va être facile de tuer. Change d'arme et tire-lui dessus. Super. Voilà. Si tu veux acquérir une arme élémentale comme celle-ci, tu peux toujours en acheter une chez ton armurier préféré. Ah, il a même pas donné d'arme. Il a donné que d'expérience. Je crois qu'il donne une arme à la fin. Vas-y. Ah bah normalement ils l'ont donné une. Ah, il l'a pas donné. Bah attends, j'ai regardé. J'ai un taux de critique grave élevé. Hein. Je mets quasiment que des critiques. Je te jure hein, que flingue, je mets que du critique. Même si je tire. Attends, rien. Critique. Je mets que du critique. Pourtant, il a pas un peu critiqué, je crois. T'as mis quoi dans les points de compétences? En quoi? J'ai pas compris. T'as amélioré quoi en points de compétences? En points de compétences? Ouais, t'as mis quoi? Bain de sang. Là pour l'instant, j'ai augmenté point de fer. Celui qui augmente la santé et les dégâts au corps à corps. Ouais, moi j'ai augmenté ouais, pareil. En fait, c'est pour le. Je l'ai fait pour le. Parce qu'il y a un succès sur Steam. Rester, je crois, 10 secondes dans le bottler. Et en fait, celui qui la compétence ultime en fait dans base de sang, c'est ça qui permet de le faire. Si tu réussis ton coup, un truc comme ça, là, tu as un ennemi au corps à corps lorsque le leurre est actif pour déployer un nouveau leurre holographique, repasser en furtivité, augmenter la durée du leurre. Moi, j'ai coup mortel 5 sur 5 et point de fer 3 sur 5. Message à l'attention des pillards écarlates de la région. Sanctuary est la cible de 4 espions d'Hyperion se faisant passer pour des bandits. Ils sont retranchés à Freehorns. Trouvez-les, tuez-les et tâchez de découvrir ce qu'ils manigancent. Pareil à tirer. Ah. Ouais, non, y'a rien d'intéressant. Bon, mais c'est bon pour moi. Alors, par contre. C'est bon. Elle fait comment t'as dit ta mitraillette? Comment? Ah non, elle est pas mieux que ton arme. En si, mais. Je crois que. J'ai mis celle-là, parce que là, sur les deux autres qu'il y a à faire, il y en a une, c'est avec le faucon ardent. Et l'autre, c'est celle avec les. Avec les espions, et je l'aime pas trop celle des espions. Tiens. T'en viens? De quoi? Attends, je vais voir à quoi ressemble Snipe. En fait, je le garde que s'il est beau, sinon je te le donne. Ah, j'avoue, il est beau. Là, je te donne quand même. Tiens, je te passe ça si tu veux. Tiens, tu vois. T'as pas encore niveau, je crois, mais. Je peux pas le mettre encore. Bon, après, tu sais, des clés de. Des clés d'or, c'est pas ce qui me manque. Hein. J'en ai, je sais pas si je peux les voir. Ouais, mais. J'en ai 238 au total. Des clés d'or? Ouais. Ouais, j'en ai plus moi. Non, il y a un site qui a été fait en fait qui regroupe en fait toutes les clés shift qui sont sorties sur des réseaux sociaux ou des trucs de ce genre là, tu vois. Donc, du coup, c'est régulièrement, c'est fréquemment mis à jour. Et bon, après, t'as certaines qui finissent par expirer, mais du coup, tu peux trouver des clés shift qui donnent enfin des codes shift qui te donnent jusqu'à 5 voire 10 clés. Ok. Moi je l'ai. Même pas. Moi en fait on me les avait donné. Enfin on me les avait pas donné mais genre il avait utilisé des clés d'or puis il m'avait donné les armes donc. Genre. Ah.
Tu veux le lance-roquette ou le ou la mitrailleuse? Mitraillette. J'aime pas trop le lance-roquette, c'est trop long. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand je suis seul, le lance-roquette c'est pas trop mal. Je peux conduire ça... plutôt. Ah bah vas-y, si tu veux. Tac. J'aime bien conduire. Allez. Hop. Du coup, on va où? Là, faut tuer. Alors, fouiller 5 tas de garogo et traquer des garogo. Ouais, c'est bon. Ah, et par contre, pour les fouiller, faut pas rouler dessus, faut vraiment aller dessus et appuyer sur action. Là, attends là. Top, top, top. C'est le coup des super d'état, c'est possible. Hop, je descends de fouiller l'état. Alors, 1, 2, après je te rassure, je pense pas que les mecs ils aient passé le code de la route sur sur Border Mars. Ouais non mais où est-ce qu'ils sont? Là. Ouais j'en ai. Allez. Hop là, allez, je descends. Là. Ah roule pas dessus. Merde. Tu l'as eu? Non. Ah merde. Là, et il en manque un du coup. Il va y en avoir un dans le coin, je pense. Tiens, là t'as un bouclier si tu veux, qui peut être intéressant pour toi. Peut-être. Combien? 223 en capacité, 19 en cadence de recharge et 5,46 en délai. Wopo! Attends, je te reprends le véhicule. Il a... C'est quoi lui? Voilà. Ouais, ça te va ou pas alors? Je sais pas comment est-ce qu'il a voulu. Non, il est tout bas. Bon. Non, bon, on va. Merde, bouclier. Moi, je vais le prendre, je vais augmenter la capacité. Tiens, c'est ça mon bouclier. Hop. Moi, je l'aime bien personnellement. Alors, du coup, faut trouver un tas de. Il donne 469 de capacité. Capacité de recharge 33, délai de recharge 5,31 et des carré. C'est celui que tu as ou tu me le donnes celui-là? Non, c'est celui que j'ai. Celui que tu as? Oh ouais. Ouais, j'ai que celui-là. J'ai tous les autres, je les ai. Ah non, ils sont à ma banque, je crois que j'en ai un autre. Au pire, dès qu'on a le bloqueur au long, je t'en donne un. Où est-ce qu'on a un tas de garogos là? Il y en a bien dans le coin quand même. Bon, ça, ça va être un pompe. Au pire. Ah là j'en ai un, attends. Voilà. Je viens de chercher. Il me semblerait que les garogos utilisent ces buts pour leur déjection. Cela suggère qu'ils sont aussi évolués qu'un primate. C'est ça. Et baptisons-les primanimaux. Je vais prévenir mes éditeurs. En attendant, allez donc jeter quelques grenades sur les primanimaux. Que l'on sache si ce nouveau nom vous convient. Ah bah, pour tourner là-bas. Ouais. Tiens, on va rentrer là, on est à chercher le Caporal Rice. Ah, en plus, je crois que c'est là où il y a un... une sorte de gros garogo. Un brutal? Non. Enfin, s'il y en a un, je l'ai pas vu tout à l'heure. Non, mais. Oh. Ah, non, c'est un... Attends. Faut les tuer à la grenade. Ah, ouais. Waouh, ça fait mal ça. Ouais, l'électricité ça fait très mal au bouclier par contre. Bon. On peut rechercher un autre endroit. Non, ils sont ici là. Il n'y en a que là.
Oh non, il y en a d'autres, hein, des Garogo. Ouais, ouais, mais... Faut attendre et... Ouais. Ah, ah, normalement, là-bas, si peut-être. On retourne à l'autre endroit, on va aller chercher d'autres endroits, ce sera plus rapide, parce que le temps qu'il respawn est relativement long en général. Attends, j'ai 6000 de monnaie. J'ai que des armes d'Hyperion. Ok. Trop fort. Non, c'est... T'en sors. Recule. C'est... Ah. Je te dis, c'est critique, hein, comment je conduis. Il y en a un là. Attends, ouais, un, je vais balancer. Attends, je descends. Tac. Attention, non. Hop, je vais finir. Allez. Ah, ouh, oui, oui. Ah, lui, il a balancé carrément le rocher complet, quoi. Ah, toucher les projectiles. Par contre... Ah là. Bon, ça me casse la tête. Hop. Casse la tête. Par à droite, là. Par là. Ah, attends, là, il y en a. Mets-toi loin, faut détruire les projectiles. Un. Deux. Et trois, c'est bon. Okay. Je vais en foutre dessus. Wow. Sur quoi, c'est à dire le jeu c'est Borderlands, je joue sur PC. C'est quoi déjà la touche de turbo? F, mais il faut une certaine vitesse pour l'activer. C'est ça. Alors est-ce qu'ils sont revenus ceux-là? Non. Là, il y en a. Je sais pas trop quoi faire, mais... Attention. Ouf. 3. 4. Derrière nous. Et 5. Ah non. Il y a un brutal là. Attends, reviens, reviens. Il y avait un brutal, ça donne XP. Ouf. Moi je vais pas te mentir, ça me donne un d'XP en tous les mobs. Ray, il se planque. Voilà. Ah putain, il y a des ridium avec, ouais, en prime. Ah ouais. Ah d'accord. Ah, il y a peut-être une mitraillette. Regarde, on sait jamais. C'est non. Ça là. Par terre. Non, c'est un pompe. C'est un pompe? Ouais, c'était un pompe. Ouais, tu peux le revendre. Toujours.
Oh, on est bon, on est bon. Oh merde, putain, je suis obligé de me suicider. Genre, j'ai sauté. T'avais survécu, toi, à la chute? Ouais, je suis pas mort. Bah attends, mais reste là. Je te jure, je suis pas mort. Hein. Reste là, bouge pas. On est où? On est là. Tac. Allez, go. Je tire en l'air. Attends, bouge pas. Ah, purée. Voilà. Nice. Ouais, genre, j'ai vu ça allait tomber, du coup j'ai fait quoi? J'ai sauté de la voiture et je suis tombé sur un rocher. Ouais, et tu me l'as pas dit. Non, moi j'ai vu au dernier moment, genre quand la voiture elle était en l'air. Ah, la voiture elle a fait un backflip, hein. J'ai pas vu, parce que tu sais, quand t'es sur le canon, il te zoome un peu, ouais, la caméra. Et du coup, mais ouais, si jamais tu pars en l'air route, pour toi tu vois juste que ça part dans tous les sens, mais tu vois pas exactement ce qui se passe. Tu peux faire des clés d'or pour moi? Ouais, attends. Chasseur de l'art, quel plaisir de vous revoir. Après que vous avez flanqué une dérouillée à ce malotru de Capitaine Flint, j'ai enfin pu quitter Southern Self pour continuer mon almanach. Cela vous dirait-il de me prêter main forte? J'aime bien sa tête. Qui ça, à Burlock? Ouais, elle est trop swag. Sa petite moustache. Ah, je comprends quand même. Alors, les clés d'or. Là-bas. Donc, par contre, ça va être des clés d'or de mon level. Hein. Ça va être des niveaux 9, les armes. Tu peux pas les donner, les clés d'or? Non. Bon, par contre, je les prends pas. Hein. Enfin, bah, les armes là, je les prends pas parce que. J'ai vraiment envie de faire la partie, voilà, sans, enfin pour l'instant sans les clés d'or, quoi, sinon ça va être trop facile. Je préfère le faire avec les armes normales. Le snipe, je vais le prendre. Oh. Ah putain. Ah, des mods, ça m'intéresse par contre. Ah tiens, il y a un meilleur truc que moi, wesh, n'importe quoi. Il y a un meilleur mode. Et... Putain, il y a les deux mods, ils sont mieux que les mods. Normal, c'est du violet. Alors, c'est quoi? C'est quoi ça? Ramasser les cellules, prendre l'iridium. Ah, moi aussi, j'avais un vieux mode aussi. C'est l'heure de votre rendez-vous, les dernières nouvelles de Hunter Elquist. Hop, c'est ce mode que j'ai débloqué normalement. Ici Hunter Elquist en direct d'Hyperion Radio Vérité. Sanctuary, la ville Felone, a été quasiment détruite, minée par des conflits internes et impuissante face aux nobles troupes d'Hyperion. Les appels généreux à la raison lancés par le bon Jack sont restés sans effet sur ces bandits obsédés par la mort. Tu crois me donner le lien du site après pour les clés d'or? Oui, pas de soucis. On va brancher ces deux cellules sur les amorces d'allumage. Il t'en faudra une troisième et c'est pour ça que je t'ai donné ce cahier. Attends, juste, je vais revendre. Mais fais gaffe, c'est un gros malade. Un jour, il m'a bouffé une bannière. Ouais. Juste avec une fourchette. Avis aux bandits de Sanctuary. Il paraît qu'un chasseur de l'arche a posé ses valises chez vous. Il est grave stylé, moi, que j'ai. C'est quoi? Vous inquiétez pas. On a d'entendre dire. Vous êtes notre seul espoir contre Jack. Alors. Ah, du coup, t'as débloqué un. Ah, non, même pas. Ah, je qu'il fallait un plan de secours au cas où il disparaîtrait. C'est pour ça qu'on a toutes ces cellules énergétiques.
pour lever la ville. Ça fait bon. Et le troisième, faut le chercher. Je commence à désinguer ces bandits, je dirais que t'entretiens une relation privilégiée avec le sang. Comme tu veux. Ce que tu veux. Achète. Attends, dans 5 minutes, je vais faire des courses. C'est une cellule de merde en bonus. À peine je l'ai touché, j'ai deux doigts qui sont tombés. Mais j'accepte. Alors, on va devenir permanente pour trouver l'objet. C'est pour les tocards. Ah putain. T'as combien de. Granium? Combien de. Combien? D'uranium? Là il me reste 3 sur le 3. Bah, ouais, 3 il me reste. Moi j'en ai 27, mais je sais pas quoi vous prendre donc. Conseil, augmente d'abord ton sac à dos. Ouais, bah tu viens de m'aider à redémarrer ce moteur. Ouais. Tiens-toi bien, mon coco joli. Parce que je vais la sac faire voler cette vie. Sac à dos, c'est celui qui est en offre du jour. Mais je l'avais déjà pris quoi. Oh, c'est ce que j'avais fait, j'avais d'abord tout. J'avais d'abord économisé tout, j'ai acheté tous les sacs à dos. Parce que tu transportes tellement de trucs en fait que ton sac il se remplit hyper vite. Donc d'abord remplir le sac à dos, comme ça tu te fais pas mal de fric. Et après bah, t'augmentes les munitions que tu utilises quoi, donc soit les roquettes, soit le fusil d'assaut, suivant l'arme que tu utilises en général. Bah, moi ce serait plus le snipe je pense. Parce que je joue quasiment qu'au snipe. Ah ça y est enfin. Non on peut rentrer enfin. Mais je crois qu'on peut toujours pas utiliser le coffre. Non le coffre en haut tu parles? Ou en bas? Ouais. Je sais plus. En bas je sais que tu l'ouvres vers la fin je crois. Non. On peut ouais, toujours pas l'ouvrir celui dans. On peut pas l'utiliser encore. Je peux l'ouvrir que vers. C'est dans les dernières missions, je crois qu'il se débloque. De quoi? Ce coffre-là. Je suis ravi de ne pas avoir besoin. Celui qui est au fond là? Ouais. Non, c'est pas. Non, c'est. Tu les bloques pas à la fin. Non, pas à la toute fin, mais c'est plus tard, je crois, je veux dire. Non, c'est dans 3-4 missions, normalement, que tu les bloques. C'est après le faucon ardent, normalement. C'est sûr, c'est pas plus tard que ça? C'est pas quand Roland y meurt. Soldat, si tu entends ce message, c'est que ouais, peut-être. Je crois que c'est quand Roland y meurt justement qu'ils nous disent, qu'ils nous ouvrent le. Non, je crois que quand Roland y meurt, c'est le coffre-fort. En haut. Ouais. Ah non, bah on vient juste de les bloquer. Merde. Bon, bah je sais pas. Le coffre-fort, on vient juste de débloquer donc. Ouais, peut-être. Une idée. Oh, franchement, je n'en rappelle plus. Oh, alors, du coup, j'ai. Oh, ça va. Oh, sérieux, il était dans mon. Ah, il était dans mon. Oh merde! Si le faucon ardent l'a chopé, Roland est très très mal! Fonce à creuse dans le canyon et. Ah, il y a mon sniper. Si Roland est prisonnier du faucon ardent, il court à. Ah, je te jure, j'ai oublié, je l'avais mis dans mon. L'archibou. Tiens, on va voir. Façon de parler. C'est lui qui connaît. J'ai des archis puissants. Sbire, par ici. Ton maître t'ordonne de venir. On a des. T'as débloqué le truc du machin aussi là. De quoi le coffre? Non, justement, là, ce que je vais faire. Il va faire ce gros blabla. Voilà, il faut aller faire ça. Ramener un poil de je sais plus quoi. Et tout ça. Alors qu'en fait, t'as juste une grosse toule qui est devant, quoi. Tiens, un gars. Il est pas beau. Hein? Il est pas beau. De quoi? De qui? Le snipe. Ah. Je kiffe la forme qu'il a. Ah, lui, il est trop bien. Je vais être franc, ça va piquer.
vermine d'Hyperion en train de s'introduire dans la ville. Patient en chirurgie. Les poumons. Il faut l'opérer de toute urgence. Rejoignez-moi. J'ai besoin d'un assistant. Ah ouais, il va trouver de l'uranium, je crois, sur lui. Bon, il va juste falloir lui mettre un petit coup de... Mais attention, un petit coup de machette. C'est ça la chirurgie dans notre monde. Voilà, putain, y'a. Ce truc ne transmet pas ses pouvoirs en l'avalant. Cet éclat n'a aucune valeur sur le marché noir tant qu'on ne l'aura pas raffiné. Vous pourriez le montrer. Je l'ai dit, Roland. Jack a la clé de marche et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'ouvre. Et puis, je veux un nouveau ventilateur. Le labo sent le bacon. Le bacon, il doit aller. C'est pour les délateurs et les rejetons incestueux. Je vais chercher les clés de Borderlands que t'as dit. Comment? Je vais chercher les clés que t'as dit là. Et les clés. Faites-moi signe si vous voulez du boulot. Pour les clés d'or. J'ai plein de trucs à faire. Ouais, alors hop. Après des heures de cauchemar scientifique. Dieu, mettez-moi, tac. Revenez dès que vous aurez besoin d'un rafistolage. Tiens, je vais te l'envoyer. J'espère que vous avez fait votre rappel tétanos. Voilà. Je vais l'envoyer le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission à faire? Ah, ça, on a que deux missions? Oh bah. Tu veux faire laquelle? Assassiner les assassins ou la chasse du faucon ardent? N'importe. On va faire les assassins. Ah voilà. T'as pas une quête à côté de ah toi? Ah oui, y en a plein. Possible. J'ai l'impression qu'il y a un exclamation. Ouais si, Z. Vous savez ce qui fait un trou de balle et qui est pas une balle? Moi non, aucune idée. Wouah. J'ai vu des plaies bizarres qui venaient de Freehand. Alors, je rentre dans quoi? Comment? Les codes? Je les rentre dans quoi les codes? C'est sur le menu principal après. Quand t'es dans le menu principal, tu vas dans bonus. Je crois que c'est bonus, code shift, et là tu rentres tes codes. Attends, je vais essayer. Enfin, ça marche. Ok, bon, bah, du coup, je vais avancer. Bonus. Je vais avancer un petit peu tout seul. Se connecter. Ouais, par contre, faut un compte ouais, sur Shift pour le faire. Ah, ok. Donc, il y a du Facebook, je sais pas si je vais pas le changer de couleur. Parce que... Ouais, du mal, quand même. Ok, bon. Je vais m'inscrire du coup. C'est quoi leur site? C'est sérieux là? Ah, je vois, c'est ça. Non.
Et après, comment je pourrais les débloquer? Comment? Après, comment je fais pour les débloquer une fois que je les ai achetés? Elles se mettent directement sur moi? Ouais, une fois que t'as, une fois que t'as rentré le code, dès que tu te connectes, il va te mettre un message comme quoi tu as tant de clés d'or. Quoi les modes de classe? Comment? Je connais pas. Les modes de classe. En fait, c'est. Pas clés, quoi. Comment? Il y a pas que des clés, il y a des. Non, alors en fait, voilà, les codes, ils peuvent te donner des principalement des clés, et ça te donne parfois des alors des modes, des skins, parfois même des armes, ça dépend. Je viens de débloquer un mode de classe pour tout le monde en tout cas. Allez donc l'escalade aujourd'hui. Voilà. Hop. J'ai débloqué quasiment, j'ai débloqué aussi kill pour l'instant. J'ai plus des types de. Des têtes. Bah voilà, c'est le condensateur dont j'avais besoin. Hé, hey, question bonus. Tu trouves ça bizarre que je sache le moment exact où tu ramasses un truc? Et tu sais que je peux te voir en WC? Attends, je veux pas te mettre mal à l'aise, hein. Je te parle d'espionnage au WC en toute amitié. Ouais, enfin bref, branche-moi tout ce bazar. Voilà. Dernier, c'est le ska que j'ai reçu. Un bouclier intéressant.
Il est là. Ah ouais, voilà, le problème c'est que ça réduit la santé. Putain, ça m'énerve, tu bloques que des apparences. Apparence, c'est des apparences spéciales en général, du style pour Halloween, pour le 4 juillet, ce genre de conneries. Moi c'était, j'ai eu apparence forteresse de dragon, j'ai eu que des trucs comme ça. Les apparences en général, quand t'as des code shift qui débloquent des apparences, c'est pour des événements spéciaux. Sortie de DLC, je sais pas comment chier, ou c'est le 4 juillet, ou autre, tu vois. Ça. Tous ces trucs là. Ah, ça y est, je commence à avoir plein de clés en or là. Ça fait combien de temps que tu joues à Bardon? Alors là, ça va faire 2 ans que je l'ai, 2 ou 3 ans que je l'ai. Ah ouais. Et niveau combien ton autre perso? L'autre 56, je crois. Sachant que le level max, parce que bon, j'ai pas mal de DLC aussi. Le level max avec les autres DLC, je crois que c'est 62. Normalement c'est 50 ou 55 le level max. Et il y a des DLC qui permettent d'augmenter un petit peu, qui te rajoutaient je crois 7 levels. Je vais faire plus tard celle-là. Hop. Ah, j'ai débloqué une nouvelle emplacement d'arme. Foutre quoi. Ça. Heureusement qu'on peut copier-coller les clés, hein, parce que sinon. Ouais. Sinon, ça va me saouler. Ah ouais, c'est. Quand tu seras ok pour effectuer la livraison, prends les paquets. En plus, c'est très possible parce que des fois, on ne puisse pas les copier-coller, parce que des fois, dans les trucs comme. Ah, là, ça commence à être plein de clés x5. Ouais, bah, après, t'en as plein. Ramasser les paquets, trouver l'arme mystérieuse. Ok. Toc. Wow, j'ai débloqué. Eh, j'ai débloqué là. Là, j'ai eu équipement de Lucky Zafford et il y avait plein de trucs dedans. Ok. Et t'as dit que des fois c'est 10. Parfois c'est. Ouais, généralement c'est 2 ou 5. Le plus généralement. Parfois t'en as 10. Et j'ai même réussi une fois en avoir. Bon, là c'était un événement spécial, il y en avait eu 50. Dans la même clé. Mais après, je sais pas pourquoi c'était. Mais il y avait une clé qui en donnait 50. Elle est peut-être expirée maintenant par contre. Et ouais, parfois aussi t'as 20. C'est. Grosso modo, c'est 1, 2, 5, 10, 20. Et après, au-delà, c'est. C'est pas plutôt 1 plus 5. Comment? C'est pas plutôt 1 ou 3 ou 5. Je crois que tu peux en avoir 2 aussi. Parfois. Ah, ça dépend. Plus 3. Ah. Je connais de près séquelles. Bon bah moi par contre, mais je vais arrêter là. Hop, sauvegarde et quitter. Donc bah merci à toi Yuma de nous avoir rejoint depuis le stream. Merci à tous les autres qui ont suivi le stream. La vidéo sera disponible sur la page Facebook ce soir ou demain, suivant le temps que ça mettra pour la télécharger. Et puis je vous dis à tout ça plus tard. Ciao tout le monde.